Alors, c'est le jour 10 et on est en vrac. Voilà, il est 7h20, on a dormi sur un Walmart. Voilà, sur le parking. Et là, on va aller acheter 2-3 trucs pour déjeuner. Voilà, c'est de plus en plus dur. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein. Va-t-on arriver à l'heure? Non. Bon, alors on est en train de marcher. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer dans le. On ne sait pas si on va pouvoir rentrer dans le dans l'activité. Parce que. Parce qu'on est en retard. Voilà. En retard, le doux. On va voir. C'est toujours aussi impressionnant en tout cas. Hein. Même si on les a vus hier. Alors. À droite, il y a les chutes. À gauche. À gauche, il y a les petits parcs. Et c'est super mignon. On est là. Ça fait combien de temps qu'on marche là? Une heure. Une heure. Oh! Hey, go! J'essaye d'aller plus vite pour voir si on va arriver plus vite. Je sais pas si ça va servir à grand chose, mais pour voir si c'est pas trop loin. On voulait prendre le bus, on a dit non, on sait pas combien de temps on va attendre le bus, et au final il est passé devant nous à quoi, 2 minutes. Voilà, super, c'est trop bien. Donc là il fait chaud, il est, je crois, il est pas loin de 10h15. Et on a rendez-vous à 11h30 pour manger à la tour Skylon. Voilà. Ça va être sympa. Il y a un joli pont. Je sais pas si vous allez le voir. Et eux, ils sont tout là-bas. Voilà. Eh ben, nous sommes arrivés à destination de Whitewater Walk. Maintenant, à savoir si on va avoir le droit de rentrer ou pas. Après 1h30 de marche. C'est ça l'aventure aussi. Hein. Thank you.
imagine, maman, avant, wow. C'était le glacier. Tu te rends compte? Ça va extrêmement vite. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. On est arrivé au bout du chemin, c'est assez vite fait quand même, hein. Mais bon, ça vaut le coup. En fait, si on prend juste le White Water Walk, ça vaut pas le coup. En fait, il vaut mieux prendre la formule, enfin le pass, où c'est combiné plusieurs activités. Et là, ça vaut le coup. Voilà, c'est ça. C'est le pass. Dedans, il y a ce qu'on a fait hier et ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça et le bateau. Enzo ? Allez, on a le bus à prendre. Allez, au bus. Allez, viens. Nous voici dans le bus. On a mis combien de temps pour marcher ? Allez, on a mis 3 quarts à pied, retour en bus. Quasiment 1 heure. Au total de la caravane est ici. Oui, on est arrivé à la tour où on va manger tout là-haut. Ouais. Avec tout ce qu'on a marché. Avec tout ce qu'on a marché. On a fait au moins 9 km là. Alors, on a rendez-vous à 12h30 et pas à 11h30, donc on s'est pressé pour rien. Pour rien, on s'est pressé pour rien. Oh, thank you. It's very good. Vous avez une question d'où c'est que ça a commencé? Elle est tendue, elle est énorme. Oh là là, elle a pris la main. Il a déjà l'assiette qui touche la table. Par l'envers. T'as pris ton essai, tu es. Hop, à table. Moi aussi, j'ai pris une grande directe. Vous avez faim, hein? Oh oui, on a très faim. On vous racontera. Bon appétit, chérie. Bon appétit. Moi j'ai pris ça. Attendez, je vous montre l'assiette à Tom. Ça c'est juste l'entrée. À l'américaine. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais au loin. Il y a New York et il y a le serveur aussi. Pardon monsieur. Deuxième assiette. Round 2.
petite tournée de dessert. Je précise petite. Voilà. On fait light. Hein. Là, on a fait très light. Alors, ça, c'est saveur pour un mille. Oh, c'est joli. Non, mais c'est quand même un caillou, bête. Regarde la piscine de malade. Papa. Oh là 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 là, c'est trop beau. Elle est où la nôtre? Enfin, elle est où celle-là? Ah, elle est là. Là. Elle fait 236 mètres. Panoramique, mais c'était dans l'eau qu'elle était mieux la vue. Oh, ça bouche les oreilles. Tant que ça te bouge pas le cul. Ah. Every day. Je pense que ce soir, non. For you, like this. Yes. Every day. Very nice view. Yeah. Alors, on a bien mangé. Hein, Maëlys? On a bien mangé. C'était bien, 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 bien. On a bien aussi, on s'est bien rincé les yeux. C'était cool. Et c'est, alors, le repas, plus la vue, plus la montée et tout ça, c'est à peu près 20 euros par personne. Mais moins cher pour les enfants, je crois que c'est 10 euros, un truc comme ça. Ou 6 euros, je sais plus. Mais je sais que c'est 20 euros à peu près pour les adultes. Voilà. Donc c'est vraiment pas cher à faire si vous allez à Niagara Falls. Alors, le bateau maintenant, après manger, ça va être sympa. T'as vu comment changer de bateau ? Bon, alors aujourd'hui, c'est rouge. Hi. 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 Ça va, mon bébé? Chérie, tu mets pas ton poncho? Ils sont pas beaux, ces deux-là. Allez, c'est parti. Je sais pas si j'aurai assez de batterie parce que j'ai 9%. Une bière et alimentaire et... Ça y est, dernière activité de Niagara Falls, terminée. C'était trop bien. Ah, c'était magnifique.
C'était juste trop beau, on avait l'impression d'être dans un nuage en fait. C'était trop beau. Bon bah voilà, maintenant direction le camping-car et on a 3h30 de route pour se rapprocher de New York. De New York. Et ben on aura marché aujourd'hui, hein. Je vous le dis. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'ascenseur. Ton objectif, il est à... Nous passons la frontière. Bon, il est... Quelle heure? Il est 18h44 et on s'est fait arrêter par les douaniers. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'autorisation River. Voilà, donc ça fait... Au moins une heure et demie. J'étais grillée en train de regarder. Au moins une heure et demie qu'on attend. On a été traités comme des criminels. Même qu'on n'est pas coupable en plus. Tout ça, c'est de la faute à Thomas. Voilà. Voilà. C'est de sa faute à lui. Au hasard. C'est lui le coupable. Même s'il a l'air innocent comme ça, il est coupable. No comment. No comment. Donc voilà. Mais ça, faut le savoir. Donc on n'a encore pas clôturé le vlog hier, donc on le fait aujourd'hui. Et on a dormi sur un parking d'un Walmart. Donc voilà. Donc on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et on vous fait plein de bisous. Et on vous dit à demain.